Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Info. On passe au sommaire dès ce soir. Après l'Afrique du Sud, Theresa May poursuit sa tournée africaine au Nigeria avec le commerce et la sécurité à l'ordre du jour. 2 millions de personnes déplacées en Éthiopie en raison des récents affrontements ethniques. C'est l'un des défis du nouveau Premier ministre qui tente de réconcilier le pays. On le savait déjà, la pollution atmosphérique est dangereuse pour la santé physique. On apprend aujourd'hui qu'elle détruit aussi l'intelligence. La tournée africaine de la première ministre britannique se poursuit. Theresa May s'est rendue au Nigeria, où elle s'est entretenue avec le président Muhammadu Buhari. Les deux chefs d'État ont signé deux protocoles d'accord, l'un sur la sécurité et l'autre sur l'économie. Mayeni Jones, notre correspondante à Lagos, nous donne les détails. Le plus grand nouveau développement est à voir avec des questions de sécurité. Comme vous le savez, dans le nord-est, il y a toujours des problèmes de sécurité avec Boko Haram. Ils ont attaqué juste le mois dernier un grand nombre de soldats dans le nord-est du pays. Donc Theresa May a dit que le gouvernement britannique est dédié à essayer de détruire le groupe Boko Haram et que pour arriver à faire ça, ils vont donner de l'entraînement, plus d'entraînement aux soldats nigériens. Ils entraînent déjà des soldats nigériens, mais ils vont les entraîner ensemble afin qu'ils soient plus organisés et cohérents. Et ils vont aussi essayer de leur donner plus de matériel pour se battre, plus de voitures plus de fusils. Et alors, quels sont en général les enjeux de cette visite globalement ? Comme la Grande-Bretagne est en train de sortir de l'Union européenne, ils veulent essayer de développer des relations entre la Grande-Bretagne et les pays africains, des pays en dehors de l'Union européenne, surtout côté affaires et côté business. Donc cet après-midi, la première ministre britannique Theresa May visitera la capitale économique Lagos et elle dit qu'elle est dédiée à devenir, elle veut que la Grande-Bretagne devienne le deuxième pouvoir sur passe les États-Unis à faire du business avec les pays africains. Et donc faire le business avec le Nigeria est une des plus grandes raisons pour laquelle elle est ici. Et comment les Nigériens ont réagi globalement sur cette visite ? La plupart des Nigériens disent qu'ils ne savent pas vraiment, ils ne savaient pas que jusqu'à la dernière minute qu'elle allait venir. Le gouvernement anglais a été très secret. Du point de vue, ils n'ont pas beaucoup parlé, pas donné beaucoup d'informations sur sa visite. Si on compare cette visite à la visite du président Macron le mois dernier, où il y avait beaucoup d'informations, il a rencontré plein de gens au business, il est parti dans le club du Shrine du chanteur Fela Kuti. Cette visite est beaucoup plus, on en sait beaucoup moins. Et donc les Nigérians dans la rue nous disent qu'ils sont contents qu'elle soit là, mais ils ne sont pas trop sûrs pourquoi elle est là. Ils ne sont pas sûrs quel est le message que la Grande-Bretagne veut passer au Nigeria cette fois-ci. Et c'est dès son arrivée sur le sol nigérian que Theresa May a tenu à rappeler les liens qui unissent le Royaume-Uni au Nigeria. Nous avons des liens historiques avec le Nigeria, des liens commerciaux étroits. Des sociétés britanniques opèrent ici depuis des années et nous voulons renforcer ces liens, notamment au moment où nous quittons l'Union européenne. C'est l'un des sujets de mes discussions ici au Nigeria aujourd'hui. Nous offrons un accès au marché des capitaux à travers la City et notre expertise dans le secteur des services et le secteur privé. Également présente sur le continent, Angela Merkel, la chancelière allemande, est arrivée au Sénégal pour une visite de 3 jours qui la conduira au Ghana ensuite et au Nigeria. Direction à présent l'Éthiopie, où plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à travers le pays, et ce en raison d'un conflit ethnique. Des centaines de personnes sont mortes depuis la reprise des combats entre les Oromo et les Somaliens au début du mois. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a lancé un programme de réconciliation depuis son arrivée en avril, mais ces violences constituent pour lui le plus grand défi. Vénus Chimiyemana. C'est la ruée vers tout ce qui peut empêcher la faim et le froid. Beaucoup d'entre eux ont fui la violence dans leur pays sans rien emporter.
En quelques jours, cette petite ville a accueilli plus de 60 000 personnes qui ont échappé au conflit interethnique qui oppose les communautés Oromo au GDO dans le sud du pays. Parmi eux, nombreux sont des enfants vulnérables ou des femmes comme Birtukan Marou. Dans les deux semaines à venir, elle donnera naissance à son cinquième enfant. Comme elle, peu d'entre eux sont disposés à retourner chez eux. Comment puis-je accoucher dans ces conditions? Voici les victimes des nouveaux conflits ethniques dans la région somalie de l'Éthiopie. Les forces de sécurité locales, connues sous le nom de LIU, sont accusées d'avoir ciblé des non-somalis dans ce que les organismes de défense des droits de l'homme présentent comme une campagne vicieuse de meurtre, de passage à tabac ou de pillage. Les agences humanitaires affirment que plus de 2 millions de personnes déplacées à travers le pays depuis septembre dernier ont désespérément besoin d'aide. De toute évidence, lorsque quelque chose de ce genre se produit, les conditions dans lesquelles vivent ces personnes sont vraiment très, très difficiles. C'est une préoccupation que le gouvernement a reconnue. Le Premier ministre Abiy Ahmed a promis d'agir contre l'anarchie qui menace désormais les profondes réformes économiques et politiques qu'il a menées en Éthiopie depuis son arrivée au pouvoir en avril. Un grand nombre de personnes déplacées ont déjà été réinstallées alors que certaines sont rentrées chez elles, d'autres pas. Cela nécessite du temps et des efforts. Nous y travaillons. Il y a des améliorations. Nous faciliterons la réinstallation des citoyens dans leur lieu d'origine. Nous y travaillons. Mais il faudra bien plus que des mots pour convaincre les milliers de personnes ici qui ont tout perdu et sont maintenant fatiguées de l'engrenage de la violence. Passons à présent au reste de l'actualité, en bref et en images. Le réquisitoire se poursuit à La Haye dans le procès de Bosco Ntaganda. Lors de la plaidoirie de la défense, l'avocat de l'ancien chef de guerre a déclaré que la réputation sanglante de Ntaganda n'était basée que sur des rumeurs infondées propagées sur le web. L'ancien milicien congolais répond de 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en RDC. Aux États-Unis, Donald Trump met en garde contre la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat en novembre. Elles sont largement considérées comme un test de popularité du président. Sa capacité à gouverner sera entravée si les démocrates obtiennent le contrôle de la Chambre des représentants. C'est la guerre de la Saint-Jacques entre la France et l'Angleterre. Des altercations se sont produites entre pêcheurs français et britanniques. L'enjeu, un gisement de coquilles Saint-Jacques. Une guerre maritime qui dure depuis 15 ans. Les bateaux se sont heurtés les uns contre les autres et les équipages se seraient également lancés des pierres et des bombes fumigènes. Plus de 100 ans après les massacres, l'Allemagne restitue des ossements à la Namibie. Il s'agit notamment de crânes de membres des tribus Herero et Nama, exterminés durant la période coloniale. Un geste de réconciliation jugé toutefois très insuffisant par leurs descendants. Ils réclament toujours des excuses officielles. La pollution nous rendrait-elle moins intelligents? Oui, à en croire des scientifiques chinois. Au terme d'une étude de 4 ans, ils ont conclu que l'air pollué affecte nos capacités cognitives et les hommes sont plus touchés que les femmes. Mais attention, de précédentes études sur le sujet présentent quelques légères différences. Anne-Marie Diaz-Borges a les détails. Pékin englouti par la pollution. Les habitants de la capitale chinoise, tout comme des milliards de personnes à travers le monde, respirent au quotidien de l'air jugé toxique. Des effluves qui, selon les scientifiques, sont néfastes pour les organes et abrègent l'espérance de vie. Car en effet, il a été démontré que de fines particules d'air pollué peuvent traverser la barrière nasale et être absorbées par le sang ou encore atteindre les poumons et même le cerveau. Ainsi, la pollution affecterait la santé physique mais aussi mentale. Des craintes récemment mises en lumière par une étude menée par des chercheurs chinois, ces derniers ont établi que respirer de l'air vicié peut aboutir à un état dépressif et à des troubles de la concentration. Pour eux, il ne fait aucun doute, l'exposition prolongée à la pollution atmosphérique réduit les performances cognitives. Des déclarations audacieuses, pourtant l'enquête des spécialistes chinois ne permet pas d'établir de lien direct de cause à effet, mais elle vient toutefois s'ajouter à de nombreux rapports soutenant un lien indéniable entre la pollution et la baisse des capacités intellectuelles.
Ils ont trouvé que les hommes âgés sont les plus affectés et d'autres études démontrent que ce sont les femmes âgées qui sont les plus touchées. Donc il y a des points à clarifier. Bien entendu, c'est un signal d'alarme de plus et il y en a déjà plusieurs. Cette étude apporte de nouvelles preuves sur les effets néfastes de la pollution de l'air sur l'organisme. Un sujet sensible mais incontournable. Une grande partie de l'humanité vit dans des espaces pollués, notamment en Inde, où le taux d'insalubrité est particulièrement élevé. Et avec son élan de développement rapide, l'Afrique est également concernée. Et alors que la recherche se poursuit pour établir toutes les conséquences de la pollution sur la santé, il se peut que son impact véritable sur les êtres humains ne soit connu que dans les prochaines décennies. Et c'est l'heure des sports, on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Clarisse. Il y a un certain ancien milieu de terrain ivoirien de Manchester City qui refait parler de lui. Je me demande de qui vous voulez parler là. Je pense qu'on a tous deviné. Hein. Yaya Touré, bien sûr. En fait, ce n'est pas Yaya Touré qui parle de lui ou qui fait parler de lui, c'est son agent, bien connu d'ailleurs. Hein. Il a eu l'occasion d'intervenir il y a quelques années sur un autre sujet totalement différent. L'agent de Touré a effectivement indiqué que son joueur avait passé une visite médicale à Londres. Alors, qu'est-ce que ça a eu pour effet? Ça a eu pour effet de relancer un petit peu les rumeurs selon lesquelles Yaya Touré pourrait rejoindre un club anglais et surtout un club londonien, bien sûr, puisqu'il l'a passé dans la capitale, cette visite médicale. Mais ce n'est pas crédible pour la simple et bonne raison que le marché estival des transferts en Angleterre est tout simplement terminé. Donc Yaya Touré ne peut pas rejoindre à l'heure actuelle, en cette fin d'été, un club anglais. Il pourrait le faire, bien entendu, à l'ouverture du marché hivernal des transferts qui commence le 1er janvier. Alors, il y a une autre piste qui est un petit peu plus crédible et qui est donnée d'ailleurs par les médias britanniques, c'est que le milieu de terrain ivoirien va signer pour l'Olympiakos le Pirée, un des plus grands clubs grecs, pour lequel d'ailleurs Yaya Touré a déjà joué. Il l'avait rejoint en 2005 et puis ensuite, il avait, après le Mondial 2006, été transféré à l'AS Monaco. Il avait d'ailleurs réussi le doublé Coupe Championnat avec l'Olympiakos, donc il y a 13 ans de cela maintenant. Yaya Touré, qui a 35 ans et qui a été libéré par Manchester City à la fin de la saison dernière, après 8 saisons passées donc chez les Citizens, où il a absolument tout gagné. C'était un des joueurs clés d'ailleurs de cette équipe de Manchester City. On passe au cyclisme avec la Vuelta et le Tour d'Espagne. La cinquième étape aujourd'hui, une étape de moyenne montagne, a été remportée par un Australien, Simon Clark, au classement général. Eh bien, Rudy Mollard, le Français, en profite pour endosser le maillot rouge de leader. Et il possède 1 minute 1 seconde sur l'ancien titulaire du maillot rouge, hier d'ailleurs, Michał Kwiatkowski, le Polonais. Et puis il fait chaud, il fait très humide à New York où se déroule l'US Open. C'est presque la vedette d'ailleurs, cette grosse chaleur. Novak Djokovic en a eu pour 4 sets pour passer son match, pour réussir son match de premier tour, son entrée. Mais il a eu du mal, Novak Djokovic. Il s'est plaint de la chaleur et finalement ça ne l'a pas empêché de gagner. Il s'est qualifié pour le deuxième tour, tout comme Roger Federer également. Rafael Nadal lui était passé la veille, lui aussi, se plaignant un petit peu de la chaleur. Enfin, on ne peut rien y faire. Cette surface dure de l'US Open vous fait remonter la chaleur dans les jambes et les pieds, c'est très difficile. Chez les dames, Caroline Wozniacki et Angelique Kerber se sont qualifiées. Merci beaucoup Emmanuel et on se retrouve demain et on part à présent en direction l'Australie pour notre image du jour insolite. Regardez, dans le ciel, ça se passe dans le ciel, une pluie de météorites. En fait, ce serait un météore en train de brûler au fur et à mesure qu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre. Et c'est ainsi qu'il a illuminé le ciel près de Perth. Le spectacle a été capturé par plusieurs caméras de tableau de bord des conducteurs. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment nos téléspectateurs qui nous suivent en RDC sur TV Wantashi. Où que vous soyez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à demain.